Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un beau mois d'avril et que vous accueillez le mois de mai de la meilleure façon possible et que vous profitez du printemps. Alors aujourd'hui, on se retrouve, mes chers amis, pour le tirage sentimental pour le signe du Gémeaux. Alors bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors rapidement, avant de commencer, simplement vous rappeler que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que ça ne corresponde pas exactement à ce que vous vivez en ce moment. Alors c'est important d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Vous rappelez aussi que vous détenez la clé de votre destinée, hein, pour ça que j'ai mon petit symbole de la clé ici. Donc, simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que les tirages ne sont pas des tirages qui sont coulés dans le béton, qu'à tout moment, vous pouvez décider de changer quelque chose qui ne vous plaît pas dans votre vie. Alors voilà, on commence tout de suite pour vous, mes chers Gémeaux. Je vais commencer avec le tirage pour ceux qui sont en couple et ensuite je passerai au message, au tirage pour ceux qui sont célibataires. Donc, alors pour mes chers Gémeaux, ce mois-ci, mois de mai, pour certains d'entre vous, on voit que dans votre couple, hein, soit de votre part ou soit de la part de votre partenaire ou peut-être même des deux, hein, on sent qu'il y a moins de passion. Hein. Vous avez la carte de la force inversée ici. Alors, ça nous indique peut-être un peu moins de passion dans votre couple, moins de connexion, moins de moments d'intimité, de moments d'intimité même au niveau sexuel aussi. Hein. Et que l'un pour l'autre, vous éprouvez moins de passion, moins d'envie peut-être de passer du temps ensemble. Hein. Alors, une baisse de passion ici. Et clairement, on voit qu'avec le soleil aussi inversé, qu'il y a même une baisse d'énergie. Une baisse de démonstration d'amour, démonstration d'affection, démonstration de tendresse dans votre couple. Hein. La santé de votre couple est en jeu ici, parce que la carte du soleil, en général, hein, quand elle est à l'endroit, bien, elle nous parle de santé, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de richesse. Alors, le fait qu'elle soit inversée, bien, c'est ça, c'est un manque de richesse peut-être dans la connexion, un manque d'abondance dans les démonstrations affectueuses, hein, et un manque de santé aussi au niveau du couple. Par contre, dans le futur, dans un futur proche, ou en tout cas dans le futur, j'entrevois pour vous un voyage. D'accord? On a ici la carte du fou. Alors, probablement que, justement, vous allez vous rendre compte hein, qu'il y a quelques difficultés. Vous vivez quelques difficultés. Et peut-être que ce n'est pas votre intention hein, comment je pourrais dire? Vous n'avez pas l'intention de mettre un terme à votre relation. Vous êtes habitué à. Vous êtes entré dans une certaine habitude l'un envers l'autre. Vous avez quand même des sentiments d'attachement, même s'il y a une baisse d'énergie, même s'il y a une baisse de démonstration de sentiments. Mais vous avez quand même l'amour qui vous unit à nouveau, encore. Et donc, vous allez vous rendre compte, hein, vous rendre compte, pardon, qu'il manque un peu de passion et d'énergie. Et vous allez pensez à préparer un voyage pour peut-être reconnecter ensemble, d'accord? Et d'ailleurs, vous aviez la carte de la roue de fortune. Alors, c'est le conseil dans votre jeu, hein, ici, dans votre tirage, on vous conseille justement de voyager, de choisir une destination ensemble, hein. Et donc, c'est le premier conseil ici. Et le deuxième conseil, bien justement, c'est
d'avoir un projet commun ensemble, d'élaborer un projet. Et probablement que ce projet, ce sera le voyage ici, de le préparer ensemble, de l'anticiper ensemble, d'accord? Alors, juste le fait de préparer ensemble votre voyage, bien, ça va créer des liens plus solides entre vous, hein? Vous allez avoir un objectif commun, vous allez avoir un rêve commun. Alors, ça va vous aider à resserrer les liens. Ici, avec la carte de l'impératrice, peut-être que ça nous dit que pour certains d'entre vous, hein, peut-être que vous êtes un vieux couple, mais peut-être aussi qu'il y en a parmi vous qui êtes un jeune couple, hein, ou bien un couple de quelques années. Alors, il y en a peut-être qui vont revenir même de ce voyage enceinte. Ils vont attendre un petit bébé. On ne sait jamais, hein, l'impératrice nous parle de fécondité, de maternité. Alors, c'est possible que certaines d'entre vous revenez enceinte de ce voyage. Sinon, bien, ça sera probablement la création de peut-être d'autres projets ensemble. Hein. Vous allez peut-être avoir pris goût au fait justement de préparer un projet ensemble. Et quand, à votre retour, vous allez probablement décider d'avoir d'autres projets communs comme cela, parce que vous allez vous rendre compte que ça vous a fait du bien. L'obstacle à surmonter, hein, peut-être lors de ce voyage-là, hein, c'est peut-être justement la peur d'aller rencontrer l'autre à nouveau, la peur de vous retrouver seul. Seul avec l'autre, hein, dans un contexte qui va vous obliger peut-être à discuter des vraies choses, des vraies raisons qui ont perturbé ou terni un peu la dynamique de votre couple, hein. Peut-être que vous avez peur de ressortir certaines choses que vous avez enfouies dans le plus profond de votre cœur, hein, peut-être des choses qui vous ont blessé, ou des choses qui ont fait en sorte que vous vous éloigniez un petit peu. Alors, ce sera l'obstacle à surmonter. Et on voit que cet obstacle va probablement être difficile à surmonter pour vous parce que vous avez la carte de la mort inversée. Alors, carte de la mort inversée, bien, ça nous dit que probablement qu'il y a des choses qui sont en train de pourrir, hein. Peut-être qu'il y a des choses, des blessures passées que vous avez enfouies, hein, au plus profond de vous, mais que vous avez de la difficulté à faire le ménage ici. Pourtant, la carte de la mort nous invite justement pour que les choses changent, hein, si vous voulez retrouver la passion du début, si vous voulez retrouver cette connexion que vous aviez au départ. Il ne va pas suffire de faire un voyage, hein, mais bien de transformer certaines choses, hein, d'apporter un changement réel ici. Alors, osez parler de ce qui vous dérange. Et surtout les personnes qui vont revenir, peut-être celles qui seront enceintes, hein, vous allez avoir un nouveau membre dans la famille. Alors, ce sera important, avant son arrivée, de faire le ménage qui s'impose dans votre relation ici. Alors, c'est quand même un beau tirage parce qu'on voit que y a de l'amour, il y a déjà eu, hein, de la passion, il y a déjà eu une belle connexion. Et la preuve, c'est que vous vous décidez à faire un projet commun pour vous deux. Alors profitez de cette occasion parce que la roue de fortune nous parle, oui, de direction à prendre. C'est peut-être lors de ce voyage-là que vous allez décider justement dans quelle direction votre relation va aller dans le futur. Mais la roue de fortune nous parle aussi de saisir des occasions, saisir des opportunités. Alors, vous avez l'opportunité ici de régler certaines choses, de parler vraiment de ce qui vous dérange, d'aller en profondeur, hein. Vous allez être dans un contexte qui va vous permettre, qui va vous aider de vous ouvrir davantage à l'autre.
Vous allez être capable d'aller chercher aussi votre partenaire hein, au niveau des sentiments. La roue de fortune peut nous parler également de fin de cycle. Hein. Alors, la fin d'un cycle, bien, ça implique le début d'un autre cycle pour vous. Alors donc, si vous faites les efforts nécessaires pour redonner de l'énergie, redonner de la richesse à votre couple, hein, la santé ici à votre couple, si vous faites ces efforts, bien, vous allez changer, votre relation va évoluer. Hein, la roue de fortune nous parle d'évolution aussi. Alors, ça va évoluer, ça va changer. Vous allez sortir d'un cycle pour entrer dans un nouveau cycle. Alors, probablement, les choses vont aller mieux pour vous à votre retour. Mais pour cela, il ne faut pas avoir peur de discuter des vraies raisons qui ont perturbé la relation et ne pas avoir peur également de faire du ménage, hein, de dire vraiment ce qui vous dérange. D'éliminer de vos vies, de votre vie de couple, hein, ce qui ne vous sert plus. D'accord? Alors, j'ai pigé une carte du message des anges de l'amour également pour vous, les Gémeaux qui sont en couple. Et voilà, hein, justement, on a la carte lune de miel. Alors, probablement que ben, ça implique ici, je ne sais pas si vous êtes mariés, mais si vous ne l'êtes pas, ça implique tout simplement de faire un voyage ensemble. Hein. Et on vous dit apprécier. L'enchantement de vos vacances ensemble. Alors voilà, ça confirme hein, ce que les cartes nous révèlent ici, qu'il y aura probablement un voyage. Si ce n'était pas planifié, commencez à y penser. C'est probablement ce voyage qui va changer bien des choses pour vous et pour la dynamique de votre couple. Alors si vous tenez à votre couple. Je vais vous lire ce que le carnet en dit pour la carte Lune de miel. Alors, ça vous dit, je vais vous montrer la carte pendant que je la lis, hein, parce que l'image est belle, ça peut peut-être vous aider à rêver, hein, à votre voyage. Alors, ça vous dit, cette carte indique le besoin de sortie pour alimenter le romantisme de votre amour. L'application spécifique de ce message dépend de la personne à qui il s'adresse. Pour certains, elle a une signification littérale. Vous partez en vacances avec votre conjoint à la suite du mariage. Pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, cette carte propose de raviver l'étincelle en prenant un congé romantique. Alors ici, hein, il s'agit probablement de cela ici, raviver, hein, la passion, l'harmonie. L'étincelle hein, pour en prenant congé romantique. Elle peut également se rapporter à la période de grâce d'une nouvelle relation également. Et pour d'autres encore, elle indique que vous rencontrerez quelqu'un de spécial au cours de vos vacances. Alors ici, hein, ça s'adresse au couple. Donc, c'est vraiment pour aller passer un moment ensemble en couple, pour essayer de vous unir à nouveau dans l'amour. Et j'ai également pigé une carte de l'oracle de lumière pour essayer d'éclaircir un peu plus ce tirage pour vous. Alors, vous avez bien justement, alors vraiment tout concorde dans les cartes parlent d'elles-mêmes, vous avez la carte balayage du passé. Alors, voyez-vous ici, hein, vous avez un balai. Donc, ce qu'on vient vous dire ici, mes chers Gémeaux, c'est que probablement, vous avez des choses à régler, hein, des choses qui sont enfouies au plus profond de vous, dans votre âme, peut-être des blessures que votre partenaire vous a causées ou que vous avez causées à votre partenaire, hein, ou vice-versa. Mais il y a quelque chose à régler, des choses à discuter. Faire du ménage pour passer à un nouveau cycle, pardonner, parce que les choses qu'on enfouit en nous, quand on ne les exprime pas, elles restent là comme un cancer, hein. Alors, si vous voulez rétablir la santé de votre couple, hein, l'harmonie dans votre couple, bien, c'est peut-être un effort qu'il faudra faire ici. Faire du ménage dans ce qui vous perturbe, dans ce qui perturbe votre couple.
D'accord, mes chers Gémeaux. Alors voilà pour vous, les Gémeaux qui sont en couple, votre tirage pour le mois de mai. Le voyage ne se fera peut-être pas au mois de mai, mais il va peut-être, l'énergie va commencer à s'installer. Vous allez commencer à y penser, à planifier un voyage futur pour vous. Alors, je vous souhaite sincèrement de pouvoir avoir justement ce beau projet commun et de trouver une destination qui va vous plaire à tous les deux, qui va vous mettre dans un contexte amoureux et un contexte, comment je pourrais dire, propice aux discussions. D'accord? Alors, prenez soin de vous, mes chers Gémeaux qui sont en couple. On passe maintenant au tirage pour les célibataires. Alors, pour vous, mes chers célibataires Gémeaux. Alors, on commence ici avec la carte du 2 de bâton. Donc, je vais commencer pour vous avec le message des anges de l'amour pour voir comment le tirage est teinté. Alors, vous avez la belle carte sentiment romantique. D'accord? Sentiment romantique. Et ça dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, on commence avec cette carte et on va continuer votre tirage. Vous savez, je le répète souvent, parfois c'est difficile pour nous, hein, ceux qui, les gens qui faisons des tirages, parce que parfois on dit des choses un petit peu difficiles à dire, mais les cartes ne mentent pas, les cartes ne font pas attention aux sentiments, hein. Les cartes révèlent des choses tout simplement. Et il n'en tient qu'à nous de prendre le message et de faire ce que l'on veut avec. Alors ici, votre tirage pour vous, les célibataires, on voit que peut-être que vous avez fait une rencontre dernièrement ou peut-être que vous allez faire une rencontre très prochainement, mais on voit ici qu'il y aura beaucoup d'indécision. Et à ce moment-ci, j'allais dire que je ne peux pas dire vraiment de qui ça vient, cette indécision de votre part ou de la part de l'autre, hein. Mais si je me fie à la carte du message des anges de l'amour, on dit vos sentiments sont authentiques. Alors probablement que ce sont vos sentiments à vous qui sont authentiques. Peut-être que c'est l'autre personne qui est indécis ou indécis et qui est indécise, hein. Mais même si vos sentiments sont authentiques, peut-être que vous avez une certaine indécision, une certaine hésitation à aller plus loin dans cette relation, hein. Alors, c'est vous qui savez ce que vous êtes en train de vivre. Si on continue avec la deuxième carte, vous rencontrerez certainement quelques difficultés, hein, parce qu'on a le 10 de bâton inversé ici. Alors, quelques difficultés sont prévues dans cette relation-là, dans cette nouvelle rencontre-là. Peut-être le fait justement d'être indécis, hein? Peut-être que la personne ou peut-être que vous ne donnez pas votre 100% à cette relation-là. Alors, ça va créer des difficultés. Peut-être qu'il y aura des conflits. Mais on voit et on. Il est clair ici, hein, même un peu plus loin dans votre tirage, que les choses ne vont pas forcément bien. Vous avez l'as de coupe inversée. On voit qu'il y a un manque de réciprocité. On dirait que l'amour n'est pas facile avec cette personne-là, hein. Que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre. La carte de l'as de coupe, normalement, ça nous parle d'amour sincère, d'amour véritable, de richesse d'amour, c'est un cadeau précieux, hein, que l'amour, mais ici, elle est inversée. Alors, ce n'est pas un amour qui est facile, ce n'est pas un amour, peut-être que ce sera une rencontre simplement, mon Dieu. Qui ne vous mènera pas plus loin, si je peux dire ça ainsi. Alors, manque de réciprocité ici. On le voit d'ailleurs un peu plus loin.
Par contre, un des deux partenaires est sincère et un des deux partenaires a envie de s'engager plus sérieusement. Vous avez le 8 de denier ici. Alors, en position 4 ici. Donc, c'est soit vous ou l'autre qui s'engage totalement et qui travaille fort pour essayer de sauver la relation. Parce que vous savez, parfois, certains célibataires, hein, ça fait longtemps que vous êtes seul et vous désirez avoir quelqu'un dans votre vie. Alors, même si vous voyez que parfois la relation ne vous mènera nulle part, vous avez envie que ça fonctionne. Alors, vous donnez votre 200%, vous travaillez fort pour sauver la relation. Et c'est probablement pour ça que ça dure parfois un peu plus longtemps. Mais éventuellement, quand vous sentez que il n'y a pas de réciprocité, vous perdez peut-être trop souvent votre temps à essayer de sauver quelque chose qu'on ne peut pas sauver en réalité. Donc, il faut avoir l'œil ouvert pour ça, hein, de ne pas trop gaspiller votre énergie si vous sentez que ça n'ira pas plus loin. Ensuite, vous avez la carte de la force inversée. Alors, dans cette position-là, la question est de savoir si il y aura la possibilité soit d'un mariage ou d'une union de fait, hein, peut-être d'emménager avec la personne. Alors ici, c'est clair que cette relation-là manque de passion, manque de solidité, hein, la force inversée, manque de confiance aussi. Alors peut-être un ou l'autre, ou même les deux, manquer de confiance en vous-même, mais peut-être manquer de confiance en l'autre, ou même de confiance en la relation. Alors ici, on voit très bien que cette relation-là ne va pas aller très loin. Il y a peut-être de la passion seulement d'un côté, mais pas des deux. Alors tout ça mis ensemble, hein, ça fait que ça ne fait pas des relations très solides. La durabilité de la relation, bien malheureusement, on voit également ici avec le 6 de denier inversé, qu'il n'y a pas de réciprocité. Donc, lorsqu'il n'y a pas de réciprocité, bien c'est sûr que ça ne peut pas durer très longtemps, hein, parce qu'il y aura toujours des moments de frustration, des moments où un ou l'autre sentira un manque, hein, et un besoin de trouver quelqu'un qui va les combler leur cœur, combler leurs besoins, combler leurs désirs aussi. Alors, la solution à tout ça, hein, l'issue, la solution, quoi faire, hein, c'est peut-être d'apprécier encore un peu votre solitude. Vous avez le 9 de coupe. Appréciez votre solitude. Ne pas vous fier à un partenaire, hein, pour vous rendre heureux ou pour vous rendre heureuse, hein. Donc, si vous voyez que cette relation ne fonctionne pas, continuez de profiter de la vie. Riez, amusez-vous, sortez avec des amis, profitez de la vie. Et attendez que la bonne personne se présente à vous, tout simplement. Mais dans cette attente-là, ne vous privez pas de sorties, de plaisir, parce que vous savez que vous pouvez rencontrer des gens simplement en étant bien avec vous-même, hein, en respirant la liberté, en étant bien avec vous-même, tout simplement. D'accord? Les gens remarquent cet état de bien-être et vous les attirez de cette façon-là. D'accord? Alors voilà pour vous, mes chers célibataires. Donc, la carte du message des anges de l'amour, sentiments romantiques, on dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, je vais voir ce que le carnet en dit pour cette carte. Donc, bien que le tirage nous disent ici que la relation risque de ne pas aller très loin pour certains d'entre vous, bien sûr, hein. Alors, je vais lire quand même ce qu'on vous dit. On dit, les remous de votre cœur représentent la mélodie de l'amour qui vous appelle. Alors, peut-être que vous avez besoin tout simplement d'amour, hein, mais que ce n'est pas nécessairement la bonne personne tout de suite pour vous.
Cette carte vient vous guider pour suivre la voie de ses sentiments. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur et vous vous demandez si vous devez le draguer ou la draguer. Ce tirage vous répond oui. Flirtez, invitez la personne à un rendez-vous et faites-lui part de vos sentiments. Alors jusque-là, ça va bien. Vous faites part de vos sentiments, mais l'issue de ce tirage, vous allez le constater par vous-même. Si vous attendiez un renouveau du romantisme dans votre vie, cette carte est le signe que vous devez le faire advenir. Alors, simplement, si cette relation ne fonctionne pas, hein, profitez des plaisirs de la vie, mais quelqu'un d'autre va se présenter à vous. D'accord? Alors, flirtez et jusqu'à temps que vous puissiez rencontrer la personne qui fait réellement battre votre cœur aussi. Vous pouvez vous faire la cour, par exemple, en vous offrant un massage de luxe, en vous achetant des cadeaux, en visionnant un beau film d'amour aussi. Vous pouvez également chercher activement à attirer l'amour. Tout d'abord, affirmez qu'il est déjà en vous. Un partenaire fait effectivement remonter ses sentiments à la surface. Cependant, il existe au fond de vous comme une possibilité initiale. Plus vous affirmez « je suis follement aimé », plus vous créez cette qualité en vous et l'attirez dans une relation. Dans certains cas, vous pouvez tirer cette carte comme le signe que vous êtes prêt pour un nouvel amour. Elle vous guide vers l'action à entreprendre, par exemple, remarquer les partenaires éventuels qui pourraient vous convenir, fréquenter les lieux adéquats, en particulier les événements sportifs ou culturels, correspondant à vos goûts et vos intérêts. Alors voilà, peut-être que vous allez faire la rencontre ou vous venez de faire la rencontre de quelqu'un ici qui ne vous convient pas, mais simplement ne vous découragez pas, quelqu'un d'autre va se présenter à vous. Profitez de la vie, hein, simplement, et sortez, amusez-vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le 9 de coupe. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, justement, lors d'une de ces sorties, d'accord? Alors, ne vous découragez pas, même si la première personne qui se présente n'est pas la bonne pour vous. J'ai pigé également une carte pour vous de l'oracle de lumière pour éclairer un petit peu. Ce tirage. Alors, j'ai pigé la carte femme. Alors, ici, ce que ça me dit, c'est probablement que c'est les femmes gémeaux ou bien la femme dans ce couple ici, hein, pour qui les sentiments sont sincères, mais que ce n'est pas réciproque pour l'autre personne. Alors, c'est la femme du couple qui a des sentiments sincères, des sentiments romantiques sincères ici. Alors, ça peut peut-être faire la distinction, hein, à savoir qui a les sentiments, des sentiments réels. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà. Alors, voilà pour vous, mes chers célibataires gémeaux. Donc, j'espère que le tirage a pu répondre à certaines de vos interrogations. Ceux et celles qui étaient dans l'attente, hein, sachez que souvent, ce n'est pas le premier ou la première personne qui se présente à vous qui sera la bonne. Alors, continuez de faire des rencontres et amusez-vous tout simplement. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager également. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets des nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne également. Alors, je suis disponible pour faire des tirages personnalisés. Si vous en sentez le besoin, vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure et mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. En attendant, mes chers Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de mai. Prenez soin de vous, hein, faites du ménage, faites attention à vos rencontres, prenez soin de vous. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres tirages sentimentaux. Merci de votre habituelle écoute et au revoir.